dans la région reculée de la Kamtchatka en Russie. Des amateurs de chiens et de sports de glisse se sont réunis lors d'une compétition annuelle de traîneau et de ski. Cette course est l'occasion de montrer la relation efficace entre les hommes et les chiens. Les amateurs de chiens dans la péninsule isolée du Kamtchatka, en Russie, ont participé à la course annuelle de traîneaux et de ski tirés par des chiens. Le traîneau à chiens est un moyen de transport traditionnel utilisé dans la région du Kamtchatka depuis des siècles. Et les courses de traîneaux sont l'un des sports favoris. Le ski-touring est un autre sport d'hiver. Une personne sur des skis est tirée par un chien. Cette discipline est nouvelle dans la région et semble devenir rapidement populaire. Cette compétition attire des participants très jeunes, comme la jeune fille des organisateurs. Non, je n'ai pas peur, j'aime les courses de traîneau et j'aime faire du sport. Traditionnellement, le traîneau est tiré par quatre chiens. Parmi les races de chiens présentes dans la compétition cette année, les plus populaires sont les huskies de Sibérie et d'Alaska, les malamutes, les métis norvégiens et les laïkas kamtchaka. La victoire dans cette course dépend autant de l'homme que du chien. C'est un duo, ce n'est pas seulement l'homme ou seulement le chien. Nous verrons le résultat sur la ligne d'arrivée. Mais on ne peut arriver qu'en faisant équipe entre homme et chien. Selon les propriétaires, faire courir les chiens est bon pour leur santé et cela les empêche d'être trop actifs quand ils doivent rester à l'intérieur de la maison. Le chien est très actif. Pour arriver à le garder dans un appartement, il faut lui donner beaucoup d'entraînement pour qu'il ne détruise pas tout à l'intérieur. Donc, je dois l'entraîner pour qu'il soit suffisamment fatigué et qu'il ne bouge plus à la maison. La région du Kamtchatka est couverte de neige pendant près de 9 mois de l'année. C'est donc un endroit idéal pour ce genre de compétition.